Funky. Bonsoir. On est la veille. Le bois, il fait noir dehors. Bref, tout se passera demain. Mais aujourd'hui, je vous fais une petite journée avec moi. Parce que, en fait, tout simplement, je commence mes vacances. Après 2 semaines de travail, je n'en pouvais plus. Je vais vous dire que je vais retourner en vacances. Ma grand-mère est actuellement aujourd'hui ici. On est le dimanche le 4. Mais la journée que je vais vous filmer plus en grand, ça va être demain le 5 août. De 1, parce que j'avais pas d'idée de vidéo pour dimanche qui s'en vient. Donc, du coup, j'ai décidé de vous filmer une petite journée. Du coup, je vais commencer ma valise parce que j'ai même pas commencé. Et on part demain, mais plus dans l'après-midi, mais je vais quand même la commencer. On part 10 jours. Donc, il faut quand même que je me choisisse quand même plusieurs tenues. Donc, voilà. Donc, je vais commencer ça. Il est 7h42. Et puis voilà. Bon, puis je continuerai demain aussi, je me passerai pas, mais je vais quand même choisir quelques petites tenues déjà. Et puis voilà. Pour ce, je vais vous filmer ça. Et puis, sinon, je vous dis à demain pour commencer cette journée. Bisous! El pobre pato se desafina. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas serán porque las del gato. Bon matin tout le monde, il est 9h53, on est le 5 août, c'est la journée que j'ai dit que j'allais vous filmer la journée avec moi. Je vous ai pas montré mon déjeuner, mais je me suis pris un œuf parce que j'ai déjeuné avec ma grand-mère et ma mère, donc voilà. Donc j'ai pas pris mon téléphone avec moi. Du coup là, dans quelques minutes, je vais continuer ma valise, parce que ma grand-mère veut partir plus tôt. Mais visiblement, on peut pas aller au chalet avant 5h. Tu vois, on a 2 heures de route à faire. 2h30 en fait. Puis on va aller faire des courses, donc on devrait être correct pour arriver un petit peu, limite on va arriver un petit peu avant 5h, on verra. Donc c'est ça, j'ai encore un petit peu mal ici, mais ça va. Je crois que je l'avais pas expliqué, mais ouais, mais du coup une de mes collègues m'a frappé sans faire exprès. Elle avait vraiment pas fait exprès, elle s'est revirée, sa main est partie et moi je suis passée, elle m'a frappé comme ça et ça m'a un petit peu fait mal, mais ça fait pas tant mal que ça, j'ai pas pleuré non plus là. Mais voilà. Du coup, c'est ça. Pour l'instant, ma valise est quand même bien préparée. Là, j'ai mes livres que je vais mettre dans mon sac. Ici, le noir que je vais amener avec moi. Là, je vais aussi mettre mes culottes, mes soutiens-gorge. Ensuite, je vais préparer mon sac de ma brosse à dents, etc. Et mon maquillage un petit peu après, quand je vais le préparer. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à tantôt. Bisous. Ok, il est 11h10 dans ce coin là à peu près, et du coup je me maquille parce que pour ça je vais évidemment mettre mes produits de beauté dans ma valise. On part vers 12h30, donc je suis un petit peu d'avance, mais toujours être mieux, être prêt à l'avance, pas prêt à la dernière minute, hein. Ça j'ai commencé à le comprendre, parce que moi j'ai le don de faire des choses à la dernière minute, genre vraiment, mais bon, là c'est bon. Je suis genre 1h30 à l'avance. Ça va être un bon spray, il va fixer les montagnes. Donc voilà. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va à Charlevoix, du coup. Dans un petit chalet. Pendant 10 jours. Ouais. Donc voilà, je vais vous filmer cette journée-là. Mais il va y avoir un vlog qui va sortir. Pas le 1er septembre, mais l'autre dimanche d'après. Le dimanche d'après du 1er septembre. Ça veut rien dire pas un doute, mais bon, bref. Une semaine après le dimanche du 1er septembre, qui tombe je sais pas quel jour. Enfin que bref. Donc voilà. Donc je me maquille et je vous montre après. Bon, ça se voit pas vraiment trop, mais je me suis fait un make-up classique, normal, mais bon bref. Le blush se voit pas trop, mais on s'en fout. De manière que j'aime pas trop me maquiller, je préfère naturel. Ou je me fais un liner, mais là j'ai pas le temps. Surtout avec des ongles comme ça, c'est un peu compliqué. J'ai fini ma valise parce qu'il me manquait des petits trucs. Et là j'espère encore à quelle heure on part, parce que j'attends de mettre mon chargeur d'ordinateur et mon ordinateur dans ma valise pour fermer ma valise. Mais pour ça, il faut que je sache à quelle heure on part pour pouvoir la mettre quelques minutes avant qu'on parte.
Bref, du coup, je vais attendre parce que si ma mamie veut manger un petit peu avant ou faire un pique-nique sur la route ou whatever you do. I don't know. Fait que j'attends. Et du coup, là, j'étais en train de regarder le vlog de Léna. Et puis, c'est ça. Du coup, je vous dis à tantôt quand on sera en route. Dans le chalet qui ressemble quasiment à une maison, frère, on dirait qu'on est riche. Du coup, ça c'est ma chambre. Et je suis en bas. En face de moi, il y a la table de poule. Oui, il y a une table de poule, frère. Il y a le spa juste là. Checkez-moi la vue. C'est d'une beauté. Là, il y a la télé salon. Là, il y a une chambre. Là, il y a une salle de bain. Je suis sur le taxi, on s'en fout. Ça, on peut pas l'ouvrir. Il me semble que c'est ce que j'ai vu dans... J'aime bien. Bienvenue. Je te le mets au frais. Du coup, je vous ai mis en détache. Je vais ranger ma valise que j'ai mis sur mon lit, là, ici. Il y a une armoire ici, à valise de centre. Donc, voilà. Et pour les trucs qui vont pas sur les centres, je les mettrai en haut. Je me rends. Parce que je suis petite. Mais je suis capable de me rendre. J'ai une brise là. J'ai une brise là. Une brise en arrière où je me suis mis. En fait, le lit. En fait, comme mon lit. Et moi, c'est un peu bizarre comment je dors. En fait, j'ai mon ordi qui est sur le côté droit. Attends. Ouais, du côté droit. Et puis moi, je dors genre. La tête du côté gauche, mais le corps du côté droit. C'est un peu bizarre, quand même. Non, attends. La tête du côté droit, mais le corps du côté gauche. Bref, je dors de travail, mais je dors bien comme ça. Ou des fois, je dors dans le bord. Normal. Mais j'ai toujours mon ordi allumé avec moi parce que j'écoute des vidéos pendant que je dors, ça m'aide à dormir. Ouais, c'est ça. J'ai la vue devant la forêt. Mais c'est ça. Du coup, je vais défaire ça. Et puis, voilà. Ok, je vais prendre le lavabo, frère. Attendez, voilà, comme ça. Mon père, ma première, sont en train de jouer au bien. Moi, j'ai essayé, mais avec mes que c'est un peu compliqué. Et puis, disons que je suis pas la meilleure au bien non plus. Donc, il est 21h47 dans ce coin-là. Presque 50, du coup. Et du coup, bah, je vais aller lire, écouter des vidéos. La question, c'est à quelle heure je vais me dormir ? Qu'une espèce d'idée, puisque, bah, j'ai beau être dans mon lit, ça m'arrive de m'endormir à minuit. Comme je peux m'endormir à 23h30. Je m'en encore avant 23h, hein, je le dis. C'est pas comme ça. Non, ouais. Mais j'ai juste du mal à dormir quand même. Malgré que je sais, vous allez me dire, mais regarde pas tes écrans. Parce que t'as pas 30 minutes avant d'aller dormir. Je les check pas mes écrans et j'ai pas beaucoup la regarder. J'arrive tout simplement pas à dormir quand même. J'ai toujours une vidéo à côté de moi pour dormir, je crois que je vous l'ai dit. Fait que c'est ça, demain je sais même pas ce qu'on fait, mais je filmerai pas la journée de demain. Je vais vous dire tantôt ma nuit, seulement quand je vais avoir fini d'avoir le but. On va aller dormir. Dormir. Façon de parler, mais vous m'avez compris. Mais c'est ça. On va profiter. Voilà. Je vais me faire un brosser. Il est chaud un jour.
Kiskou. Du coup, il est 22h15 dans ce coin-là, à peu près. Attendez, je vais vraiment dire la vraie heure. Ouais, c'est ça, 22h15. Et du coup, je vais essayer de finir le chapitre 1 du roman. Voilà, bah, je vais le finir en fait. Avec ma petite lampe que ma mère m'a achetée pour pouvoir lire. Je mets la petite lumière là au plafond. Petite lumière. Pour la lumière projetée comme ça, mais je préfère avoir une autre lumière. Pareil, pour bien lire comme il faut. Après, je vais écouter des TikToks. Puis je vais m'endormir. C'est ça. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui s'en viennent. Parce que, encore une fois, j'ai plein de vidéos prévues. À part le 1er septembre, que je sais toujours pas qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, c'est une histoire. Au plus, si je sais pas, il y aura juste pas de vidéo. C'est pas normal non plus. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et on est bientôt rendu à 300 vidéos. Et je vais vous préparer. Peut-être que ça se sera pour le 1er septembre, ou je sais pas, ça va dépendre de combien de temps ça va me prendre. Une vidéo présentation. Parce qu'en fucking 7 ans, je me suis même pas présentée. Ma dernière vidéo remonte à 7 ans et c'était des patch-up. Disons que j'ai assez évolué. Je ne joue même plus au patch-up, j'ai 20 ans, frère. Et du coup, voilà, j'ai énormément évolué. Et ma coupe de cheveux a évolué. J'ai évolué physiquement, mentalement. J'ai mûri, je suis devenue mature. Donc. Voilà, donc je crois que vous devez avoir une présentation sur ma chaîne après 300 vidéos. Ça va sûrement être la 301ème vidéo ou quelques vidéos plus tard. Ça va dépendre du temps que ça va me prendre pour faire le montage, faire les clips, etc. etc. Bref. Du coup, c'est ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, hein, comme d'habitude. On est presque à 160 abonnés. Peut-être que je vais les avoir quand cette vidéo va être sortie, ou pas. Mais il manque un abonné pour avoir 160 abonnés. En tout cas, quand moi, actuellement, j'ai encore 159. Bref, du coup, je vous dis bisous. Je vous aime. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Kissou.